Bonjour, je suis Annette Pierrard, directrice de l'espace Matisse de Creil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espace Matisse? C'est le pôle art plastique, contemporain et art visuel de la ville. Et donc, notre mission est de mettre en valeur l'art dans tout le territoire. Donc, l'exposition qui va avoir lieu, Les Vanités, se tiendra dans notre galerie du 2 mars au 27 avril. Alors, pourquoi ce sujet-là? Parce que je pense que c'est un sujet qui nous touche toutes et tous aujourd'hui. Les Vanités, ça va surtout mettre en avant la fragilité de la vie en globalité. Donc, c'est autant la vie humaine, la mort, la perte, que la vie en général, le vivant. Donc, les quatre artistes qui vont présenter leurs œuvres vont vraiment s'interroger et vous pousser à vous interroger sur ce qu'est la perte, ce qu'est la mort et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet tabou, or qu'en fait c'est un sujet d'actualité avec le temps qui file, le temps qui passe. L'idée de vouloir freiner en fait cette avancée de temps, cette perte, cette mort par des actions, par la science, on veut arrêter le temps, on continue de vivre encore très longtemps. Et là, on a vraiment cette interrogation de ce sujet tabou qu'on ne va pas vouloir forcément aborder habituellement. Et bien là, à l'espace Matisse, on va en parler ensemble. Donc je suis Lila Aimé, donc je participe à l'exposition Vanité avec trois autres artistes. Donc je présente une quinzaine d'œuvres ici pendant l'exposition Vanité. Donc la première série, c'est une série de 7 dessins qui sont tirés un peu inspirés des tatouages que je fais d'habitude. Donc tout ce qui est autour du crâne, des squelettes, voilà. Je présente aussi 7 œuvres un peu plus petites en relief, qui sont une série de crânes aussi, 7 crânes qui sont reliés les uns aux autres. Donc je m'appelle Gauthier, Alès Gunther, et je suis l'un des 4 artistes présents sur l'expo Vanité. Il y a un peu de peinture sur toile, deux formats, acrylique et huile, et un petit peu aussi de boulot de gravure, linogravure. J'ai profité des ateliers pour graver. Je suis Cédric Derbez, je suis de l'Oise, donc je suis du CRU, et je suis photographe de métier. Et en général, je fais plus de la photo de famille ou pour les entreprises. C'est ma première expérience d'exposition et je suis content de le faire à Matisse parce que le secteur de Creil, c'est un secteur que j'affectionne beaucoup de par beaucoup d'actions culturelles, musicales et artistiques. Beaucoup des œuvres sont axées sur la photographie, vu que c'est quand même le domaine que je sais mieux maîtriser. Donc il y a de la photographie pure, fait avec les réflexes numériques d'aujourd'hui, et il y a aussi un procédé cyanotype un petit peu de l'autre côté. Le thème des vanités, pour moi, c'était travailler sur l'espérance de vie, cette fragilité, cette durée notamment, et c'est quelque chose que j'ai toujours un peu en tête, de voir le temps qui passe surtout. Et malheureusement, ce temps qui passe pour moi évoque toujours le moment où un jour je ne verrai plus tout ce qui m'entoure et ce qui est mon équilibre aujourd'hui. L'exposition sera ouverte donc les après-midi à tous les publics qui souhaitent le découvrir. On peut faire aussi des réservations en amont pour des groupes constitués comme les écoles, des groupes associatifs ou même des groupes d'adultes qui sont intéressés pour suivre une médiation. Chaque médiation est accompagnée d'un atelier sur la thématique de l'exposition. Donc là, ça va être autour de la photo. Et donc c'est accessible gratuitement. Vous pouvez venir gratuitement à l'espace Matisse pour découvrir cette exposition. En tout cas, on vous attend nombreux à l'espace Matisse. Vous pouvez suivre les informations de cette exposition et des autres événements et actions de la structure sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On a même un TikTok maintenant. Donc n'hésitez pas à venir. Notre vernissage se tiendra le 3 mars prochain. Vous êtes les bienvenus.